Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul action. Voilà, je cherchais quelques trucs et j'ai trouvé quelques trucs. Il y a d'autres choses que je cherchais, mais comme à chaque fois, bah, soit sans rupture, soit il n'y a pas du tout en rayon. Donc, voilà, je retenterai ma chance sûrement dans l'autre action de ma ville parce que j'en ai marre. Alors, il y a certains trucs que je ne vais pas vous montrer parce que bah, c'est pour mettre dans les lots concours. Hein. Donc voilà. On va garder un petit peu de mystère quand même. Donc je vais garder le ticket de caisse à portée de main. Je vous mettrai les prix à l'écran, sur l'écran comme d'habitude. Et bon, on y va. Donc j'y allais pour trouver des petites boîtes à goûter pour Bibou en fait. Parce que à chaque fois je suis embêtée quand je l'emmène chez Nounou parce que les paquets de gâteaux disponibles en commerce, vous avez 3-4 gâteaux dans le paquet en fait. Et voilà, il va pas en manger 3, il va pas manger les 3-4, il va juste en manger un. Donc après le reste il est perdu la plupart du temps parce qu'il va en manger un dans la journée. Après le lendemain il va être soit chez mamie, soit il va être à la maison, il va manger autre chose. Ou enfin voilà, ça aurait déjà pris l'air, donc ça sera plus beau. Donc je voulais avoir des petites boîtes pour qu'il puisse emmener ses goûters chez nous. Donc je lui ai trouvé, on se doute, du 15. Donc je suis contente parce que c'est les dernières qui restaient. Donc voilà, je suis contente. Donc quand je suis rentrée hier soir, il était tout fou. Mais voilà, il y aura une petite boîte. Donc là, même pour lui mettre un petit repas après quand je vais commencer à lui cuisiner des trucs, là pour le moment c'est toujours pas le cas parce que bah il va manger quoi? Il va manger des knackis, il va manger mais il va pas manger la purée tout seul, il va. Enfin c'est. Alors que chez Nounou, il mange tout seul. Là, il va manger son petit pot tout seul, alors qu'à la maison, on lui donne la cuillère, il en fout partout et il cherche même pas à y mettre dans la bouche. Donc voilà. C'est pas le même bébé quand il est chez papy, mamie, quand il est chez Nounou, quand il est à la maison. J'ai trois bébés différents en fait. Donc voilà pour cette petite popote. Je suis très contente. Il va pouvoir la garder un petit moment. Et je vais en y trouver une un peu plus petite. Toujours 15, hein, forcément. Et voilà. Pour emmener les plus petites choses. Pour mettre des petits morceaux de banane. Ou, enfin voilà. La banane il mange. Cerise on a essayé, non. Fraise non plus. Enfin, il est. Pour l'instant, il n'est pas prêt à tout mettre dans la bouche. Ensuite, j'ai pris des lingettes. C'est la première fois que je prends celle-ci. J'en ai déjà pris, mais c'était pas de la même couleur. Donc c'est pas les. Là c'est les sensitives. Et je les ai pas encore testées. Elles sont dans le sac à manger. Donc ça c'est pas moi. C'est pas vraiment moi qui vais les tester. Mais voilà. Elles sont pas chères et puis c'est quand même pratique. Ensuite, j'ai pris des gaufrettes. Voilà, donc Rossini, parce que bah, Bibou, c'est le genre de goûter qu'il mange. Il mange ça, il mange des petits lus, les petits oursons, mais bon, il se fout du chocolat partout. Les petits beurres, mais bon, il en a tellement mangé qu'au bout d'un moment il en peut plus, ça les cœurs, il veut même plus en entendre parler. Donc j'essaye d'alterner un peu les petits gâteaux, mais j'arrive pas à trouver trop quoi lui donner. Faut pas que ce soit trop dur, faut pas que ce soit. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et les gâteaux de bébé, il en veut pas, mais alors, non, les boudoirs, ça a été très rapide. Mais enfin voilà, donc là en ce moment il mange un petit peu de gaufrettes, soit celle-ci, soit des gaufrettes longues, plus fines. J'ai essayé à la framboise, il n'aime pas. Donc, en ce moment on achète, c'est soit on jette, soit c'est nous qui devons y manger, mais voilà, c'est compliqué. Ensuite, je me suis pris un paper block. J'avais vu ça dans une Insta story des chroniques de la fraise. Et enfin, j'ai trouvé ça super joli. Donc vous avez plusieurs niveaux. Donc moi c'est pour mettre dans mon bullet. Hein. Donc je l'ai pris bah, pour ça. Voilà.
Les petites plumes, les petits attrape-rêves et tout, je trouve ça trop mignon. Le petit renard, enfin, c'est vraiment trop trop choupinou à mettre. Voilà, dans, si vous faites du scrap, si pour faire pour des colis, quoi, pour décorer un petit peu, je trouve ça. On en parle de cette beauté, c'est trop 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 beau. Donc voilà, ceci. Mais ceci, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Va falloir que je voie un peu. Parce que bon, c'est pas détachable à proprement parler. Donc je ne sais pas trop comment s'en servir. S'il faut couper vraiment au bord, au bord, au bord. Il faut que je voie. Mais bon, je trouve ça joli quand même. Et sur le fond, vous avez des... Voilà, des de joli celui-là. Donc pour faire un fond pour une photo ou voilà, je trouve ça joli. Très très joli, j'aime bien. Et à la fin vous avez des stickers. J'avais pas vu ça. Donc c'est cool. Franchement, très très joli, mais ça coûtait pas trop 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 cher et vous en avez plein de styles différents, donc voilà, ça franchement j'aime bien. Il va vraiment falloir que j'arrive à ranger mon bureau pour pouvoir avoir être un petit peu plus ordonnée, avoir mon petit coin pour faire mon bullette, machin. J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que mon bureau n'est jamais assez grand. Mais je mets tellement tout en bordel dessus que il va vraiment falloir que j'arrive à me trouver. Étant donné que le meuble Alex que j'ai juste à côté, c'est vraiment que du make-up dedans, voilà, tout ce qui est papeterie et autres, bah, je sais pas trop où le mettre. Il va falloir que j'arrive à me trouver des petites rangements en plastique ou autre. Il va falloir que je me trouve ça pour mettre sous le bureau ou au-dessus ou sur le bureau pour faire un gain de place, parce que là je suis vraiment trop. Ça va faire 3 semaines que j'essaye de le ranger, mais je peux recommencer toutes les 5 minutes. Donc voilà, ça je trouve ça super super mignon pour faire le bullet ou autre. Et d'ailleurs je suis bientôt à la fin de mon bullet, il va falloir que je m'en rachète un autre. Et je pense que je vais prendre le Storm ou je sais pas quoi là. Je pense que la taille sera mieux parce que celui que j'ai il est pas si large. Ah voilà. Ensuite, ça je peux pas vous montrer. J'ai repris un paquet de lingettes, bien sûr. Hein, celle-ci, à chaque fois que j'y vais, j'en prends un ou deux. Parce que bon, bah, c'est celle qu'on utilise pour nettoyer la bouche, les mains à longueur de journée. Hein, dès qu'ils goûtent, dès qu'ils mangent. Voilà. Elles sont très bien. Et je lui ai pris des manches. Il n'en a pas eu du tout quand il était tout petit, tout petit. Mais bon, je me dis là, pour le. Vu qu'il fait très 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 chaud, ça peut lui juste lui servir de petite couverture pour la sieste ou autre, parce que là il a quand même une couverture mais qui est quand même assez épaisse, donc je pense qu'il est un peu trop chaud et il est toujours après ses doudous et j'aimerais bien laver ses doudous, ils sont dans un état dégoûtant. Donc j'aimerais bien laver ses doudous, donc peut-être essayer de lui donner des langes. Enfin voilà, ouais, je sais pas. Convient comme protège-culotte ou pour essuyer bébé. Comme protège-culotte. Je sais pas comment les gens les utilisent ça en fait. Mais bon, je les ai trouvés mignons. Il y en a un avec des étoiles, un tout bleu et un avec des voitures. Donc lui il va kiffer ça avec les voitures. Voilà. Est-ce que le reste je peux vous montrer? Non, je ne peux pas vous montrer, c'est pour les envois. Voilà, je cherchais. J'étais déçue, je m'attendais à trouver des trucs un peu plus. Mieux, mais j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais, mais bon tant pis. Et j'espère que j'ai pris assez. Je crois que j'ai pris tout pile ce qu'il fallait. Donc voilà pour cette vidéo action, ah, toute petite, hein. Voilà, ça va vous changer. Mais bon, s'il y a certaines choses que, voilà, que vous aviez pas vu. Et ouais, je suis super contente d'avoir pu lui trouver ça, parce que là ouais, j'étais vraiment. J'avais vraiment pas quoi dans quoi. Je ne savais vraiment pas dans quoi lui mettre ses goûters et j'en avais marre de jeter les gaufrettes à toi là. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.